Ah voilà, tu te baisses. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau jeu. Non pas Big Fish Games, non pas Blablabli et Blablabla, mais non, c'est un jeu. Je sais plus comment s'appelle la maison de production de ces jeux. Mais il va y en avoir pas mal. J'en ai une dizaine sous la patte. Et voici le premier de Lake House, la maison du lac. Les enfants du silence. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti. Je tousse. Mon Dieu. C'est moi, je crois, ça. Ah, non, ma copine n'est pas rousse. Ah! Oh, oh, oh! Très bien. Ah, Laura, tu es là. Viens boire ton café gélifié. Dear Anne, we've known each other for years. And I can't imagine my life without you. Will you marry me? I love you, Henry, but. We're going to have to delay our wedding. Someone broke into the house this morning and destroyed our photo album. I'm scared. Qui a osé? Oula! Oula! Il y a quelqu'un qui veut se faire ma meuf. Oh! Quelle intrigue! Alors, on va jouer en Henry, facile. Henry, someone tore the pictures in our photo album to pieces. They destroyed every last snapshot. Voilà, je sais. Are you sure? Let me see, honey. Sure, here's the key. Merci pour la clé. Non mais, m'emmerde pas avec le didacticiel, je suis pas débile. Bien, je mets la clé dans l'album photo, je tourne la clé. Oh mon Dieu. Mais oui, cette photo a été brûlée. Cette photo a été prise il y a des années alors que nous nous promenions dans un parc. Quelqu'un l'a abîmée. C'est surtout moi qui l'ai abîmée. Ah. Il a chouré une photo! Ah, le salaud! Félicitations, chère Anne, tu es la femme la plus merveilleuse du monde. Mais tu ne bois pas le café que je t'ai payé. Mon Dieu. Ah! Anne Bennett, someone asked me to give you this. Anne, est-ce que tu peux me dire ce que c'est ça? Je dois couper la corde. J'ai vu des ciseaux dans le restaurant. Oh, some candles. Je devrais allumer ces bougies. Où ça, des ciseaux? Oh, une radio. Ah, des ciseaux. Super, une inauguration du café. Allez, clic, clic. Clac. Clac. Soldat de plomb. Ah. This looks like one of those photos from my album. Eh oui, c'est ça. C'est celle-ci. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à les recoller. Fais tourner les morceaux avec un clic droit. Très bien. J'ai pas de... Pardon. Ok. Ça, ça a l'air d'être ça. Ah. Voilà. Très bien. Ok, et ben... Là. Mais qu'est-ce que ce malade veut à ma femme? Est-ce Satan? Hop. Ça c'est là-haut. Ça c'est ici. Et ça c'est là. Mais oui, c'est ça. C'est la maison du lac. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, de la magie noire! Qui êtes-vous? Ah! 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 Come back to our house. Mais bien sûr!
Oh my god. That was my brother Tommy. He used to write me secret messages with invisible ink. I need to see what he's written. Eh bien, Laura, ma copine s'appelle Laura. Laura, tu es très, très bien habillée. Wow. Hello, you little sweetie. Oh, minou, minou. Alors, il est trop mignon, ce petit chat. Petit loulou, va. Clac. Ah, très bien. Alors, Ah, la petite souris. Ah, il faudrait qu'il y ait un chat. Alors, j'ai le couteau. Sling. Une boîte d'allumettes. Une enveloppe. Je vais l'ouvrir soigneusement. Mais ouvre-la, ouvre-la avec un presse-papier. Regardez. Moi. 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 Qu'est-ce que c'est? Pour ouvrir la caisse, il me faut la carte d'accès. On t'a pas demandé d'ouvrir la caisse. Un livre, un balai, un bonhomme. Ting ting. Oh! Ah, d'accord, j'ai abusé. Mais je ne vois rien, je ne vois ni pièce, je ne vois guère. Et si je plante un couteau dans la souris? Non. D'accord. Et un coup de marteau ici? Non plus. Un indice, s'il vous plaît. Très bien. Ah, oh. Ah oui, soigneusement. Ah oui. D'accord. Effectivement, c'est très soigneux. C'est très soigneux. Moi, j'aurais donné un coup de marteau, là. Ah, peut-être là, sur la sonnette. Non. Non. Ah, mais non, la pièce. Clac. Eh bien, je casse. Bim. Je prends l'ampoule. Et hop. Ici. Et je prends ça. Et c'est bon, je vais pouvoir allumer les bougies. Super. N'empêche, sans l'indice, j'étais mort. Hop là. Super, bah voilà. Ah oh. Ouais. C'est tout. Ah bah, notre café. C'est notre café préféré. Laura et moi nous retrouvons ici tous les matins autour d'un café, des croissants et du journal. Oh my god. Oui, ça je le sais. Ah! Elle est partie. Oh my god. Ah, moi, j'ai peur. That was my. That was my brother. La télé ne fonctionne pas. C'est inutile. J'aurais beau essayer de la faire fonctionner, elle ne fonctionnera pas. Allez, lisons la note au-dessus. Oh! Ah! Je me souviens comme notre famille était heureuse ici. Tu disais que nous resterions ensemble pour toujours, mais je suis tout seul. Dans cette maison abandonnée, la maison près du lac. Je t'attends, grande sœur. Je t'embrasse. This must be a cruel joke. Your brother died 15 years ago. Please, Henry, let's go to my house. Oh mon Dieu, ça c'est pas une bonne idée. Partons. Grâce à mon bateau privé. T'es vraiment pas obligé d'y retourner, tu sais. I know this sounds strange, but I barely remember. It is. I thought I'd never. Ah! Non! Ah! Oh!
Oh, comme c'est flippant. See that? There's someone in the house. I think it's my brother. We need to search. You stay outside. I'll find a way. La poignée a une forme de papillon, mais elle a disparu. Je dois la trouver. C'est horrible. Ils mettent une musique toute calme, mais c'est flippant, quoi. Anne joue aux échecs avec son père. Malheureusement, les pièces ont disparu. Très bien. Je veux absolument que je me fasse tuer là-dedans, hein. J'ai une clé, mais c'est pas la bonne, hein. On est d'accord, hein. Voilà. Ah. Le verrons plus tard. Le plan de la Riverdale. Riverdale devient une ville fantôme. À cause de l'épais brouillard, la vie a brusquement quitté Riverdale. La mairie et le port ont été fermés. La visibilité sur les routes est limitée à quelques mètres à peine, ce qui a causé beaucoup d'accidents. La plupart des habitants sont partis, même si quelques-uns d'entre eux attendent que le temps s'éclaircisse. Merci pour ces newspapers. qu'est-ce que c'est ça? Un plumeau. J'entends marcher derrière moi, mais à part ça, tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Une tenaille, un plumeau. Ah. Brr. L'eau est glacée. Eh bien, donne-y un coup de plume. Non, je... La porte, pourquoi? Bah, j'ai une clé. Non, j'ai une pince. Ah! Et j'ai la clé de la maison! Oh mon dieu, je tenais vraiment pas à y entrer. Oh non. Ok, j'y rentre. Oh mon dieu! Oh! Cela fait 15 ans que cette maison est abandonnée. On dirait que le vieux salon a été fouillé. C'est vachement morbide. Ah, j'entends des bruits. Derrière. Ah! Ah! Excusez-moi. Oh, la clé. L'une des statuettes n'est plus là. Ah, je t'ai vu, petite araignée. C'était pas horrible dans le miroir, en fait. Je t'attendrai dans notre chambre secrète, là où tout est arrivé. Je t'en prie, viens vite. On se sent bien seul dans l'obscurité du fond des eaux. Avec un petit dessin personnalisé. Merci, Tommy. Merci. Ça donne absolument envie de venir te voir. Eh bien, j'y retourne. Je vais mettre une partition au piano. Ok. Et voilà. Super. Alors, si j'ai su, c'est grâce à la couleur des empreintes. Hein, car je ne suis pas musique. Hop, voilà l'autre oiseau. Ah, alors si je pouvais avoir une porte comme ça pour ma chambre, je serais content quand même. Hein. Trop stylé, quoi. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qui a pendu ce mannequin? Ce miroir est vraiment dégoûtant. Il y a une clé remontée à l'intérieur de la poupée. Ah. Bonjour, petite poupée. L'été dernier, chambre secrète. Un enfant au fond des eaux. J'ai peur des chiens, Tommy, protège-moi. Mon cauchemar. Être séparé de ma sœur. Ah. Très bien.
C'est vraiment morbide. Il te faut une manivelle, très bien. Ah! Cette iguane veut des baies. Oh, pauvre chouva. Je te ramène dès que possible. En fait, j'ai besoin de plein d'objets, mais je ne sais pas où les trouver. Je suis désolé hein, de tousser comme ça. Je ne connais pas le code. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette poupée là? Une robe. D'accord. Où vais-je? Hein? Ah, d'accord. Super. Eh bien, habille-toi, petite poupée. Peut-être ce miroir se souvient-il de ce que portait la poupée. Comment je lui donne les fringues à la merdeuse hein? Comment je lui donne les fringues à la merdeuse? Ah d'accord, je dois partir. Ah, une pièce d'échec. Ça c'est horrible ça. Barre-toi, tu sais, barre-toi. Ah, le portrait de Anne en plus. Bon, j'ai pas de statuette. J'ai pas de statuette. Ok, elle reste dehors. Très bien, ça me va. Le petit oiseau, bah je peux rien faire, je n'ai rien. Oh! Eh! C'est qui ça? Petit merdeux, va. Moi je veux juste savoir où aller en fait, je veux pas savoir vraiment quoi faire. Bon, il y a quelque chose à faire ici visiblement. Mon amour, quand notre fils a disparu, vivre dans cette maison est devenu insupportable. You and I faisons de notre mieux pour supporter la douleur, mais notre fils souffre d'avoir perdu son frère. Elle quitte rarement sa chambre et elle dit qu'elle entend quelqu'un marcher dans la maison. Moi aussi, hein. J'ai récupéré les affaires de Tommy et je les ai mises dans la chambre où il jouait avec Anne. Elle a peur d'y aller. Je t'aime, ta femme. Oh, my dear, dear lady. Où dois-je aller? Quoi, le miroir? Oh, une clé à molette. Comme quoi, je suis pas bien observateur, parce que j'aurais pu l'avoir, cette clé à molette. Allez. Une pellicule de film et un mouchoir. C'est morbide. C'est morbide. La musique devient morbide. Ah ah ah. J'entends marcher. C'est ça le pire. C'est entendre marcher. Oh, à chaque fois il faut changer. Où est-ce que vous voulez que je mette le truc du film? Ou le mouchoir? Donc là c'est une statuette. Slaf slaf, non. Là une statuette non plus. Non, à mon avis. Oh, j'avais pas vu. Tommy, sa mère. Il est arrivé quelque chose d'étrange à ce tableau. Joli! Joli! Oh mon dieu. Pauvre Anne. Please hurry. Ah! I've got a bad feeling about this. Tu vas m'emmerder juste pour ça, toi. Putain. L'autre, elle en glande pas une depuis tout à l'heure. Putain. Ouais, bon, ça c'est bon. Pièce d'échec, j'en ai que deux. Non, mais il y a quelque chose. Mais et ça, mais ça, c'est pas possible, ça. Ah! Non. Psh, 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 psh. Le mouchoir ne suffira pas.
Non. Bah, ça aurait pu, hein. Je suis désolé, ça aurait pu. Eh, hey, mais arrêtez de me faire aller dans tous les sens, là. Le mouchoir, il va où? Quoi? Vous voulez que je mette un mouchoir dans l'eau? Un mouchoir mouillé. Super. Génial. Pourquoi j'ai besoin d'un mouchoir mouillé? Pour le portrait. Je vais me sentir bête quand je vais trouver la réponse. Mais ça, c'est tout le temps. Ça, c'est avec les jeux comme ça. Hein. Non, je pense qu'il y a quelque chose dans la chambre. Ah, voilà, d'accord. Le miroir. Voilà, voilà. Ça y est. Genre, le miroir, il est figé dans le temps, tu sais. Elle avait des chaussures blanches. Et elle avait cette robe-ci. Elle avait dans les cheveux un papillon. Et un collier de perles. Ah! Va-t'en, hein. Fais-moi pas chier, hein. Est-ce pour toi, la manivelle? Non, c'est pour le train. J'adore les trains comme ça. Oh. Oh. Ah! Henry, I saw my brother. Come down here. Oh mon Dieu. Ah! Ah! Anne, non. Oh. 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 Vite! Vite, 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 vite! Allez! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je dois trouver une affiche. Ah non, mais ils me mettent en ambiance de stress, là. Une affiche. Cavalier, libellule, arrosoir, pioche, batte de baseball, feuille d'érable, ballon, sac à main. Oh, c'est pas vrai. Ballon. Qu'est-ce qu'on a? Escargot, une poupée, une clé, une feuille d'érable, deux feuilles d'érable, trois feuilles d'érable. Gaffe, je sais pas du tout ce que c'est. Gaffe, c'est un oiseau, non? Saut, saut, batte de baseball. Eh, je suis grave stressé, mais je dois pas me stresser en fait. Alors, nous cherchons. Une libellule, un arrosoir. Voilà la petite pioche. Des clous. Batte de baseball. La libellule, elle doit être morte. Ah, déjà. Gaffe, je sais pas ce que c'est, on verra plus tard. T'es flippé la grenouille quand même, hein. Un arrosoir. Doit être dans un piteux état l'arrosoir, hein. Il est là. Un seau. Il est là. Et pour gaffe. Ouais, voilà, je sais pas ce que c'est donc. Ok, très bien, c'est ça une gaffe. Un seau vide et les pièces d'échecs. Très bien. Eh bien, peut-être que je peux remplir le seau d'eau. Ah! Pourquoi il a mis le saut là? Ah, très bien. Screech, plof. Screech, plof. Screech, plof. Qu'est-ce que c'est? Super, j'ai récupéré un saut de merde. Un saut de bouse. Alors, pendentif de Tommy. Non. Ça m'effraie, mais complètement aussi. Les pièces d'échecs m'en manquent une toujours. Ok, alors on peut retourner à l'intérieur. Calmement. Nous ne sommes plus pressés. Putain, il me fait flipper. Nous ne sommes plus pressés. Oh, le petit train. The little train is ready. Je n'ai pas de manivelle, petit enfant. Je suis désolé. Ah, j'aimerais bien te ramener des baies, petit. Ah! T'énerve pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas le code. Ouais, moi non plus.
Enfin, moi non plus, évidemment. Non. Un saut de bouse, non plus. Franchement, le saut de bouse, il doit aller dehors, non? Ouais, voilà. Me disais-je. À part là où il y a les pièces d'échecs. Ah, mais attends. Pour ça, là. Voilà. Ouais, mais tu m'emmerdes, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Je peux maintenant monter. Oh. Please lower the ladder. I'm too scared. I'm afraid the swing will break and I'll fall. Tu as pourtant l'air rassuré, jeune homme. Très bien. Ah! Oh putain. Ah! J'ai eu peur, hein. Début du tournoi d'échecs annuel de Riverdale. Tour B4. Cheval D7, pion G5, pion G1. Ça, à mon avis, c'est un indice pour cette merde. Je vais aller en D, A, B, C, D, D7. D7, tour B4, pion blanc G1, pion noir G5. Oh, rings. Super, chercher quelque chose qui sert à rien. Il me faut la clé. Ah, la statuette. Mayhem. Ceci? Non. Il me frustre un peu, regardez. Il suit ma flèche des yeux. Petit con, petit con. Oh, des baies. Allez, je vais aller nourrir le bestiau et aller poser la petite statuette dans la baraque. La statuette. Interversez les ballerines pour les placer de la même manière que sur la photo. Ah oui, bien sûr. Celle-ci a l'air d'être là. Et à côté d'elle, il y a celle-ci. En bas, il y a celle-ci. Et ici, il y a celle-ci. Et celle-ci là. Et là, là. Ah, je me serais étonné si j'avais réussi. Pourtant, c'est ça, hein. Là, il y a un pied, ok. Tac, tac. Et là. Ah, voilà. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Très bien. On peut pas tuer le... Oh, putain. On peut pas tuer le tuyau à main nue. Ce projecteur, je me demande s'il fonctionne encore. Voyons cela. This film contains a record of Tom's birthday party. That's the mask. Mon Dieu. Anne gave it to her brother. Mon Dieu. Pas la musique, pas la musique. Bip bip bip. Mon Dieu. Allez, sors-moi ça de là, là. Tout cela se passait à qui, il y a 15 ans. Peut-être une clé pour ouvrir le coffre. Très bien. Oula, oula. Ah. Très bien. Alors. Très bien. J'arrête pas de dire très bien. Très bien. Un ballon de foot. Il est où le ballon de foot? On va faire comme ballon de foot. Escargot, souris, bourse. Alors, escargot, bourse, statut de femme. Escargot, bourse, statut de femme. Statut de femme. Escargot, bourse. Coffret. Marteau.
fromage allez-vous la souris. Marteau, épingle à nourrice. Ah ah ah, je dois trouver des épingles à nourrice. Ah ah ah. What a joke. Monstre tableau, à vrai dire, changez de décoration immédiatement ou nous saisirons tout ce qu'il y a dans votre appartement. Pardon. Un escargot, une bourse, ça peut tout être, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Si Baltou il était là, il dirait ah, c'est mes couilles. Mais non, c'est pas tes couilles. Vous irez lui dire, vous irez le tweeter. Hein. Vous le tweeter en disant ah, Sherlock il a dit que les bourses, ben c'était tes couilles. Ah. Je peux mettre ça où là? Attends. Une bourse. Un marteau, épingle à nourrice. Alors le marteau, on devrait le trouver plutôt simple. Marteau. Sinon, ouais, c'est pas très évident. Hein. Rasoir, timbre. Ah. Un timbre. Un rasoir. Oh, pardon. Un timbre ici. Et un timbre là. Encore deux épingles à nourrice. Là j'ai une bobine. Ah attends, lâche-moi. Épingle à nourrice, il y en a une ici et une ici. Je les avais pas vus. Une bourse. La bourse. Et pour la fleur. Ah, ce serait pas la fleur du chapeau. Ou la fleur de. Pourquoi la musique devient inquiétante comme ça? Ah non, c'est bon. Attendez. Ah voilà, je suis vraiment débile. Et voilà, voilà jolie fleur. Allez, on a toute la couture d'un coup. Un marteau arrache-queue et un rasoir. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? 1, 2, 3. Il me faut une craie, d'accord. Attends, quelqu'un qui marche. Hop, voilà, j'ai un bout de tuyau, super, une gomme, j'aurais bien mieux aimé une craie quand même, je suis navré, hein. Je suis chiant, hein. Je suis chiant, hein, j'aurais aimé une craie, voilà, alors revenons un petit peu en arrière, retournons dans la chambre du gamin, et allons nourrir notre ami, tiens des baies mon petit, cette main est attachée à la branche, voilà, elle l'est plus. Manivelle de l'orgue à Barbarie. Oh mon dieu. C'est le bouton gauche de la souris. Maintenez-le enfoncé pour déplacer l'objet. Il vous faut trouver la craie. Alors, la craie. Elle est où la craie? Ah ben. Eh, c'est le bordel chez toi, mon petit jeune homme. Hein, va falloir veiller à faire bonne garde de ceci. Bon. Ça ira pour cette fois. Pas la gomme. Non, pas la gomme. Alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'adorais faire ça quand j'étais gamin. 16, 17, 19, 20. 18. Ah non, 19, 20. 21, 22. Et 1. C'est quoi ça, un bateau? Oh! Ça c'est. Ouais, c'est un peu. Ouais. On sait pas trop ce qui s'est passé dans la maison, mais ça sent vraiment pas bon. Hein. La musique devient. Je crois qu'elle devenait stressante, mais en fait pas du tout. Qu'est-ce que. Ah oui. Ah, c'est ça. À quoi ressemble le dessin? C'est ça. Oh! Ah merde. Oh nom de dieu. Hop, un petit chevalet. Un magnétophone. Une échelle, oui. On se dit on peut tout trouver là-dedans. Parce que c'est petit, ça fait petit. Mais en fait, mon dieu, tout ce qu'il y a. Du fil.
Moi je clique un peu n'importe où, ah ouais c'est pas bien. Un bateau, une table, bon ça on s'en fout. Faut trouver des boutons, un sifflet. Alors un bouton là. Une flûte. Un sifflet saucisse. Non pardon, excuse-moi je m'égare. Un sifflet magnétophone, on sent plus, il est là, corde à sauter, elle est là. Un sifflet. Attendez, parce qu'il y a peut-être des choses cachées, voilà, magnétophone. Un bateau en papier et une table. Putain, c'est horrible d'entendre marcher derrière là, ça suffit, un sifflet. Bateau en papier et une table. Ah, le bateau en papier. Voilà. Oh, oh, coquine. La table, c'est ça. Super. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une échelle. Ah, une échelle. Je viens te sauver, petit. Pardon. Je viens te sauver, petit. Ne t'inquiète pas. Tiens. Thanks for helping me. De rien. Mais me fais pas peur, hein. Remember me? Did you forget? This will stir your memory. C'est reparti. C'est Anne. I remember that day. That's when I met Anne. Hmm. Oh mon Dieu. Oh. Anne. Non. If it hadn't been for me, Anne would have died. Oh. Bah heureusement que je suis là alors. Pourquoi tu me fais flipper, petit con, va? Oh les merdes de ton genre. Moi je te dis ça pète. Ah! Jeune homme. Il est parti, mais alors, mais. Mal poli, va. Oh merde. Ça, peinture. 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 Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bateau, un bateau. Bateau. La vue. Et ben on va mettre ça. On va mettre la fenêtre. Et on va mettre le pied. Non, la fenêtre c'est pas bon. C'est le toucher. D'accord. Les escaliers. Ah, les pièces de la maison. Pardon. Non, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. La musique. Hop. Et hop. Une bouteille. Alors, pourquoi une bouteille? Je n'ai absolument aucune idée. Peut-être des objets. Ah bah non, c'est là on a le bon. C'est là qu'on n'a pas le bon. Enfin, un petit cocktail, je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hop, très bien. Ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah si. Tac, tac et tac. Voilà, la couture est là. Voilà, super. C'est pas mal. J'aime bien. Oh mon Dieu, connard. Pour fêter la Saint-Valentin, il manque l'hippocampe. Merde, moi c'est pas l'hippocampe que j'ai là. Non, attends, je vais y rester. Il me faut un numéro à appeler. Et oui, car sans amis, c'est impossible d'utiliser un téléphone. Vous cherchez un cadeau pour votre enfant? Vous trouverez votre bonheur ici. Nous avons un grand nombre de jouets de masques en stock. Illuminez le visage de votre enfant d'un sourire. Une vieille pub. Tout le monde trouvait son bonheur dans cette boutique de souvenirs. Les musiciens n'ont pas leur flûte. Oh, flûte. Je sais, ça fait mieux. Je ne mettrai pas les mains dans la pile de contenu, il faut que je trouve un balai. Cette aile ne va pas là. Bon, tu pourrais l'enlever, non? D'accord, ouais, voilà, il me semble pas que j'ai à rester ici. Il faut vraiment que je retourne. Ah, ici, voilà. Alors, toi. Ah, c'est l'aile. Il lui faut l'aile à lui. Ah si, c'était là, d'accord, ok. Je dois trouver un cœur.
Ah, attends, je fais un trou dans le mien. Tain, tain, tain. Elle est belle la musique, hein. Vraiment, mais il se gave. Hein. Big Fish Games, prenez-en un peu de la graine quand même. Parce que je trouve ça pas mal quand même. Ok. On m'a vu, je vais retourner dans la maison là. D'accord, non. Peut-être que je dois monter alors. Ah, regardez les pieds là. Ah, et puis tu me suis toujours des yeux, petit cul. Hein. Ah, il lui manquait quelque chose. Elle. Bah, c'est un balai, non? Ah! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain. Attends, je comprends pas. Un marteau? Un manche de pelle? Bah. Ah, tuyau! N'importe quoi. Eh, franchement, c'est tordu, hein. Ah, tu peux plus, hein. Ah, tu peux plus. Ah, 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 connard. Regardez, il fait flipper, là, comme ça, sur le banc. Retourne voir dans la chambre. Après sa mort, très bien. Bon, t'es sûr que j'étais pas au bon endroit, moi. Ah, ici. Eh, vous êtes sûr que c'est pas ça, là? Je perds mon temps. Eh ouais, mais on fait jamais rien dans la maison, en fait. Un tampon, aiguille, fil... un marteau arrache-clou... Mais heureusement que je peux me guider comme ça, sans que ça utilise vraiment d'énormes indices, hein, putain. Attends. Ah, j'ai rien gagné, là, de toute façon. Avec son numéro, lui. Mais je pouvais avancer, c'est vrai. Ah, oh, je suis même pas allé voir là-haut. Pff, quel coup. Oui, oui. Avance, connard. Qu'est-ce que c'est? Ah, un morceau de balai. Tiens. Alors, on retourne en arrière pour brasser les feuilles. Flash! Lâche! Lâche! Qu'est-ce que c'est? Un ciseau. Bon, bah, pas le ciseau qu'on connaît, bien sûr. J'ai besoin d'une tête. Ah. Faut une pièce pour acheter. Bah oui! On a tous envie d'acheter une tasse à café, hein. Oh, n'importe quoi, vraiment. Et bim, crac, et ben tap. Ça y est, je me suis débarrassé de deux objets. C'est ça que j'aime bien, c'est me débarrasser des objets. Le troisième objet, hop, qu'est-ce que c'est? Ah, le cœur. c'est quoi cette connerie? Allô? Oh mon Dieu. Non? Non? Allô? Allô? Répondez, espèce de... Vite, le cœur. Je veux cette porte aussi pour ma chambre. Qu'est-ce que vous? Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien aller vous, mais je suis trop occupé. J'ai fait un coup de fricain. Oh bah d'accord. Monsieur veut que je lui trouve une perle. Je n'arrive pas à l'atteindre. Are you little nail? Snail. Ok. J'ai besoin d'une échelle. Qu'est-ce que c'est? Clac.
Je pourrais peut-être gonfler le pneu pour soulever le coffre à main nue. Ouais, c'est pas bête, ouais. Ouais, t'es pas bête. La clé. Oh mon dieu. Avis de recherche, Tommy. Disparu le 10 octobre. Adresse 15 Fox Street. Âge 15 ans. Taille 1m30. 1m30 à 15 ans, putain. Cheveux blonds et courts. Les yeux bleus. Vêtements. Il portait une chemise grise, un gilet rouge, un pantalon bleu et des baskets marrons. Si vous savez où il se trouve, merci d'appeler la police ou le 911. Oh la baleine. Ah mais non, mais là. J'ai ce qu'il te faut là pour enlever ça. Allez, encore là. J'adore l'effet là. Très bien. Un hameçon. Oh putain. J'ai pas envie qu'on me surprenne. Sors. La taille de cette baleine est extraordinaire. C'est vrai que là. Ah! Tu veux un hameçon dans la gueule? Un sac de jus sur la tête de l'oiseau. Un pendentif. Fait flipper, hein. Putain, Tommy. Tommy, Tommy! Qu'est-ce qui t'a pris de t'échapper? Je ne sais pas, moi. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Une canne à pêche. Super. Je me faisais chier. Non, je rigole. C'est ça, c'est pour ça. Hop! C'est bon, j'attrape le coquillage. Waouh! Il me faut un objet pour ouvrir ce coquillage. Eh bien, ça tombe bien. Hop! Ah, bah voilà sa dernière perle. Tiens. Clic. Thanks for your merci. Help. Here's the key. Ok, j'ai la clé de la boîte du matériel de pêche. C'est pas là, c'est derrière. Eh bien, j'espère que ça va me servir ce qu'il y a là-dedans parce que. Eh? Eh, le pêcheur là! Tu veux que je te nique ta race ou quoi là? Oh, le mec il a une photo de ma copine dans sa machin là. Oh! Viens voir là. Le pêcheur essaye de faire un collier, laissons-le tranquille. Oh, il a une photo de ta meuf et toi c'est tous. Non, mais alors là, vraiment. Moi je ne me laisserai pas faire, moi. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un hippocampe. Non, j'ai un tournevis et un sac de jute. Hein. Peut-être tournevis là-dedans. Non. Très bien. La map est très grande, en tout cas, hein, pour faire une petite aparté sur le jeu. Pour une démo, c'est très long, en plus. Ah! Ben, l'autre con. Ah oui, le tournevis, très bien. Pour une démo, c'est vraiment bien foutu. Hein. Ah, des piles pour la lampe torche. On y retourne. C'était pas là. Si. Non, merde, c'était où? Là. Très bien. Une pile. C'est bon. Je peux aller voir le bateau. Qu'est-ce que c'est? Ah! Très bien. Petite pièce ancienne. Voilà un signe du zodiaque. Une boussole. Briquet! Attends, briquet, trousseau de clé, brosse. Un briquet, un trousseau de clé. Briquet, trousseau de clé, brosse. Ah, quelle horreur. Le trousseau de clé, là un trèfle. Il peut bien être la brosse. Je cherche d'abord à voir les jaunes. Ah voilà, la brosse. Deux trèfles. Zèbre, briquet. Oh, une fourchette. Zèbre, briquet. Je suis pas fan du monde de l'eau. Hein. Ah, le zèbre, bien sûr. Je
Je suis pas fan du monde de l'eau, ça me fait flipper, moi, toutes les bestioles qu'il y a sous l'eau. Genre, j'irai jamais sous l'eau, quoi. Je ne plongerai pas sous l'eau. C'est impossible. On ne parviendra pas à m'y forcer. Ah, le briquet, ok. Me manque la pieuvre. Alors, je sais que c'est le crayon, mais... Oh, d'accord. M'attendais à une vraie pieuvre. Non, c'était un dessin. Briquet école. Tiens, crame. Super. Yeah. Ça, c'est top, ça. Oh non, pas toi. Il a le masque du petit. C'est qui, putain? Ça, c'est frustrant, ça. Qui êtes-vous? Oh non. Nous voilà dans la précipitation. Il faut une clé. J'entends les mouettes. I'm hearing seagulls. Une main. Un scalpel. Oh, le canon. Je pourrais attacher une corde à ce soir. Tiens, non. Ah, y'a trop de choses. Oh putain, j'avais pas vu ça. Oh, une aiguille peut-être. Ah si, un scalpel alors. Ah ouais, c'est ça. J'ai un crabe. Ça veut dire que... Qu'il va falloir donner à bouffer un... Ah non. Trop bien. Un pêcheur du coin veille sur le bateau. Un passe-partout ouvre toutes les portes. Oh, super. Quoi? Merde. Tiens, de la colle. Bah quoi? Si. Ah si si si. Une gomme alors. Bon. Eh bien je prendrai la scie. Merci. De l'or. Merci. Si j'en crois l'image sur la porte, un mannequin de paille va ici. Ce pêcheur naviguait sur le bateau, oui, mais ça, on l'aurait deviné tout seul. Hein. Très bien, on s'en va. Je peux lui donner un coup de scie, hein. D'accord. Oh, j'avais pas vu. Hop là! Pas mal. Waouh, ingénieux le mec. Oh, il est plus là. Où est parti ce connard là? Oh mon dieu. Encore un mannequin qui dort la chair de poule. Sauf que celui-ci n'a pas de paille, je devrais le remplir. D'accord. Pareil, là il faudrait pas qu'il balle tout parce qu'il dirait moi je le remplis de mon sperme. Alors, cela prendrait trop longtemps pour deviner le code. Je dois effacer. Eh bah tiens, j'ai une gomme, ça tombe bien. 8, 9, 15, 2. Il faudra deviner la suite. Ah, c'est reparti. Ça, c'est le navigateur. I decided to make a boat for Anne to show her I liked her. Eh mais... I didn't know someone watched me make it. Oh mon dieu. So Tom broke the boat. Oh. Eh mais elle est horrible cette histoire là. Très bien. Elle est horrible. Tiens le bateau. Quoi? Bah attends. Qu'est-ce que mieux qu'un... D'accord. Il y a là le bateau. Ah, c'est les outils. Un gouvernail et un mât. D'accord.
Oui. La colle. Ouais, enfin bon. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, une pompe. Très bien, allons gonfler le pneu dehors. Allez, pshoot. Super. Très bien, gouvernail, quelques boulons. Il me manque toujours le mât. Ah, le téléphone. D'accord, j'appelle un numéro pour rien en fait. Très bien. Super. Je me sens à peine pris pour un idiot. Allez, on va mettre le mât, on va construire le bateau, on va pouvoir ouvrir le truc à côté. Clic, clac, boum, boum. Alors. Juste un peu de colle pour maintenir le gouvernail. Pour Assassin's Creed, on est paré. Et maintenant, la voile. Je ne devrais pas faire ça. Bah si, ça aurait fait une voile, ça. Merde, quoi. Ah. Eh oui, découpons dans la feuille. Clac. Super. Et voilà. Énorme, hein. Oh mon dieu. C'est quoi? Oh. The fisherman has plastered photos of my fiance all over his wall. He has pictures that go as far back as her childhood. Putain. T'imagines, ça m'a... Oh, mais touche pas à ma copine, quoi, c'est le con. It's as though he's been ordering our steps. Comme ça, le gars. Oh mon dieu. Eh, c'est pas moi qui ai mis le feu, hein. Ah! I have already asked you not to show up here. Ah! 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 Oh, ça donne envie de savoir la suite! D'ailleurs, on le voit sur les trois autres images, qu'on reste dans un monde vachement détaillé. C'est vachement détaillé. Bravo, bravo, bravo à ceux qui font le truc, hein. Découvrez la vérité sur le garçon disparu, visitez des endroits fascinants et merveilleux, affrontez l'homme masqué et sauvez votre fiancé. Au programme mensonge, trahison et bien sûr, amour. Regardez-les là, on dirait que vous êtes plus heureux, hein, c'est ça, bah vas-y. Bon, merci à vous à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura d'autres. Tout aussi long, je pense, j'espère. Et à très vite. Au revoir.